Donc me revoici pour la revue cette fois-ci de la gamme Canelia. Donc déjà merci à Luba, ouais, merci à Nel aussi pour m'avoir permis de tester les deux produits de Canelia qui sont le shampoing nourrissant et le baume hydratant. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs produits de la gamme Canelia. La gamme est en train de venir petit à petit à Montréal, ok. Canelia, c'était d'abord un salon de coiffure en France qui, quand j'ai eu Luba au téléphone, m'a dit que ça avait fermé. Mais en même temps, il y avait aussi des produits. Donc le produit phare d'antan, comme j'aime beaucoup le dire, c'était la cire végétale. Que beaucoup de cotunettes à la grande époque de Boucle Coton utilisaient pour leur routine. Donc moi j'ai testé le shampoing nourrissant et le baume hydratant et je vous donne ma revue. Donc j'ai pu voir un petit peu les prix de ces deux produits. Ça allait entre 12 à 15 dollars, tout dépend où vous vous trouvez et quelle boutique qui les vend ces produits. Donc la boutique de Saint-Hubert, ça allait entre 12 et 15 dollars. Donc, pour vous donner une tranche de prix, des prix de Canelia au niveau du Canada. Donc, on va commencer par le shampoing. Donc, je mettrai les ingrédients dans la boîte de description, comme ça, les choses sont claires et vous pourrez juger par vous-même. Donc, le shampoing nourrissant, ils disent 87% d'origine naturelle. Je dirais non.
Tout simplement, le seul truc naturel que je peux lire sur les ingrédients, c'est simplement l'huile d'avocat. Le reste... Non, le reste, l'huile d'avocat et de l'eau. Après, le reste, c'est pas, à mon sens, très, très naturel. C'est un shampoing qui contient des sulfates, mais je suis de plus en plus en train de douter au niveau des shampoings si les sulfates sont des ennemis ou des amis. Tout dépend de votre cheveux et de votre routine. Peut-être c'est parce que je fais un bain d'huile de coco avant chaque shampoing. Est-ce que c'est parce que mes cheveux sont super sales? Je sais pas, mais en tout cas, le shampoing, il mousse moyennement, ne m'a pas décapé les cheveux et lave très bien. Donc oui, moi, je recommande ce shampoing pour celles qui veulent clarifier leurs cheveux, ok? J'ai pas vu de sécheresse, j'ai pas vu de décapage capillaire. Franchement, j'utilise des shampoings contenant des sulfates, ok? Et pour le moment, bizarrement, les sulfates ne me dessèchent pas les cheveux. Et comme je l'ai dit auparavant, est-ce que c'est parce que je fais un pré-poux de coco avant chaque shampoing? Peut-être c'est pour ça que ça ne décape pas mes cheveux. Je ne sais pas, mais par contre, j'ai déjà utilisé des shampoings qui ne... contiennent pas des sulfates mais qui m'ont décapé les cheveux, comme le Kiki Curly Come Clean, qui est un shampoing qui contient pas de sulfate mais qui décape à mort mes cheveux, pour exemple. Voilà, ce shampoing qui est clean au niveau des ingrédients mais qui décape à mort. Ce shampoing a pas vraiment des ingrédients clean mais ne m'a pas décapé les cheveux, donc oui, je le recommande fortement. Pour celles qui veulent clarifier leurs cheveux, celles qui sont au bout et qui ont besoin de clarifier leurs cheveux, oui, 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 je conseille ce shampoing. Ensuite, nous avons le baume hydratant. Alors, ce produit est un 2-in-1. Vous pouvez l'utiliser comme leave-in et vous pouvez l'utiliser comme masque. Alors, en tant que masque, concrètement, il est bien pour démêler les cheveux. J'ai vraiment pas eu de problème pour démêler les cheveux. Ça s'est super bien passé. Mais j'ai pas trouvé mes cheveux super revitalisés. C'était ok, mais je les ai pas trouvés super revitalisés. C'était bon, mais sans plus. Mais par contre, en tant que living, j'ai vraiment aimé l'expérience. Mes cheveux étaient doux. Bon, c'est vrai, sur le montage que j'ai fait, mes cheveux étaient... comment on appelle ça ? Super défini après mon bed wrap, mais c'est pas un produit pour coiffure, c'est vraiment un produit pour hydrater vos cheveux. Donc à la fin de la journée, mon bed wrap était devenu puffy parce que c'est pas un produit à tenue, c'est vraiment un produit pour hydrater et nourrir votre chevelure. Donc oui, en tant que living, j'ai vraiment vraiment apprécié ce produit. Donc oui, c'est un produit que je rachèterais sans doute. Ouais, honnêtement, ouais, c'est un produit que je pourrais racheter. Mais juste pour en tant que living et mais pas en tant que masque. Donc voilà. Sinon, à part ça, écoutez, j'ai été plutôt satisfaite de mon expérience qu'Amélia. Et j'espère que la gagnante de mon giveaway sera aussi satisfaite de son expérience qu'Amélia. Donc pour moi, c'est un oui. J'ai oublié de dire que le baume hydratant est un peu plus naturel que le shampoing, mais ça reste quand même un produit chimique, ok? Les deux produits naturels que j'arrive à lire sont l'huile d'amande douce et l'huile de ricin, et puis le reste, c'est des propriétés chimiques avec du silicone. Mais il n'y a pas de mineral oil, il n'y a que du silicone qui pourra peut-être froncer les sourcils de certaines, mais pas de mineral oil, que du silicone, voilà. Enfin, que du silicone comme produit cracra entre parenthèses, mais voilà. Donc j'espère que la gagnante va aimer ces deux produits. Et en même temps, je vais aussi, comme j'ai utilisé que les produits sont à la moitié, est-ce que je peux voir? Est-ce que je peux voir? On peut aussi le voir. Il y aura aussi un échantillon des deux produits plus le bonnet qui sera donné. Donc, félicitations à la gagnante ou au gagnant. Je n'ai pas encore son nom, mais je mettrai le nom du gagnant à la fin de la vidéo. Et sur ces petits mots, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Bye bye.